Parfois, dans la vie, il faut savoir regarder le décor. Savoir qu'il y a des poissons dans un marais, ça se peut. Parfois, il faut savoir faire des sacrifices. Savoir faire des choses. Parfois aussi, il faut savoir regarder le temps qu'on a. 50 minutes, goddammit! Aussi, des fois, il faut savoir pardonner. Je te pardonne, prune, d'être un chat. Je te pardonne. Et parfois aussi, il faut prier les fucking toilettes. C'est toujours utile de prier les toilettes. Monster, rappelle-toi, les toilettes, c'est le mal. Non, faut que tu pries les toilettes. Prie les toilettes. Faut prier. Si vous priez la toilette, vous allez avoir ma bénédiction. Est-ce que tu pries la toilette? Attends. Priez la toilette. Priez la toilette. Priez la toilette. Oh le bitch! Tiens! Die, bitch! Vous pouvez passer les autres, vous avez un peu prié la toilette. Ok, fait que hey tout le monde, je suis de retour à part plus de chassons de choses, trucs dans choses, trucs, choses. Et aujourd'hui, on chasse un Gypseros. Il va falloir prendre sa photo et il va falloir prendre sa photo. Je sais pas pourquoi des fois, là, je me trouve tellement niaiseux. Ben, fait souvent. Mais en ce moment, je suis comme mal placé en maudit pour faire une vidéo. Puis qu'est-ce que je veux dire par ça, c'est que je m'en vais pas à la bonne place. C'est que je suis à genoux en ce moment. Agenouillé devant mon ordi. Prêt à lui faire des faveurs. Oh non, il est pas bien placé. Non. Ah les gars, c'est grave. Aujourd'hui, on a comme changé d'équipement si on veut. On a un katana os lourd. Avec l'équipement de chasseur qui donne les superbes talents qui sont qui font qu'on le voit Gypseros puis qu'on peut dépecer. On peut toujours dépecer, mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Non, ben moi non plus je sais pas qu'est-ce que j'essaie de dire. Fait que c'est pas si grave que ça. On est tous perdus dans un monde de perdus. Parce qu'on est tous des perdus. Oh! Parfois, il faut savoir regarder des scènes. Pour regarder des scènes. Est-ce que je vous avais parlé de la paix dans le monde? Non? Eh bien, je vous en parlerai pas. Je voulais juste le mentionner pour aucune raison. Et des fois, il faut savoir être fou et courir avec les bras en l'air et faire Et quand on fait ça, eh bien, on a l'air d'un esti de con. Fait que faites-le pas vraiment. Ou faites-le si vous voulez. Je ne suis pas votre mère, ou père, ou dieu, ou whatever. Je suis juste un random YouTuber qui fait des vidéos d'un Gypseros. Fait que, ok! Quand que je dis n'importe quoi, ça n'a pas de bon sens. Fait que, il m'a volé mes fucking mini-aiguisoires. Personne me vole mes mini-aiguisoires. Certainement pas ce gros cul de merde là. Oh non. Ah, God, il rebondit sur ses pieds de merde. C'est pas grave, c'est pas parce que c'est du rubber que sur ses pieds. Et on sait tous que le rubber, ben, c'est pas très bien. On sait tous que c'est très élastique. Et que pourquoi j'ai pas fait un deuxième coup là? J'en ai aucune idée, mais faut pas me poser trop de questions en ce moment, mon cerveau est comme fucking bien faux. Ok, fait que c'est la vidéo, c'est que je suis supposé faire la propagande, pis je sais pas pourquoi j'ai fait ça en ce moment, mais en tout cas, j'ai utilisé mes coups gratuits. Mais essayez de vous convertir à ma religion. Ma religion. En fait, ce n'est pas une religion, c'est un bar. Et c'est mon groupe sur Steam, dans le fond. Fait que là, il faut que je vous spam de mon groupe sur Steam. En fait, aujourd'hui, on a fait une partie. On a été joué sur Garry's Mod, moi et les personnes qui ont déjà joint le groupe. Et on a eu bien du fun. Même si, des fois, ça virait chaotique. Oh, maudit! Mais c'est parce qu'on était quand même pas mal, finalement. Ça, je pensais qu'on serait 2-3, et on a été... je sais pas comment. Je m'en rappelle plus comment on était. Mais est-ce que c'était important? Je ne crois pas. On a du fun, c'est ça l'important. C'est pour ça que je crée le groupe, dans le fond, pour une fois de temps en temps, se faire des genres de games dans ce genre-là. Fait que dans le fond, c'est un groupe sur Steam. Si vous ne savez pas c'est quoi, c'est Steam. Ben, il y a Google qui existe. Mais gars, je vais mettre un lien dans la description, probablement dans les commentaires encore, vu qu'il y a plus de monde qui regarde mes vidéos de Unite que les autres choses. Fait que je crois que c'est tout qu'est-ce que j'avais à dire là-dessus. Oui, je ne fais pas vraiment un programme. Bon, en fait, aussi,
J'ai comme marqué dessus, j'ai starté une discussion, si on veut. Je suis tout seul à me parler dessus, parce que je suis seul de même. Mais c'est pas grave, je peux me parler tout seul. Je le fais constamment en faisant des vidéos, comme ça en ce moment. Oh, faut que je prenne une photo au gars devant ça, mais après ça, plutôt. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah non, la photo m'a toute perdue. Jip, 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 jip! Ah, c'était tellement une mauvaise photo, mais c'est pas grave. Faudrait que j'enlève ma vie et tout ça. Mais les gars, on va arrêter de parler et on va continuer de parler du couple. Ah oui! Discussion justement pour demander c'est qui voudrait... Ah, ça a été chien ça, j'ai pas pu faire mon schling! Ah non, y'a pas de schling dans celui-là, c'est vrai, y'a pas de schling! N'oublions pas qu'il a volé mon mini-guisoir, le bitch. Ah, god damn it! Ok, on va aiguiser mon guisoir pendant qu'il est en train de... Puis j'espère que ça me pognera pas, flash boom! Ça m'a pogné le flash boom! Je crois que je ne serai jamais capable d'aiguiser... Oh, fuck. Ah, le bitch est encore en train de le faire. C'est quoi? Je m'en vais au bout du monde pour te retrouver... Never mind, ça m'a pogné quand même! Pour tous ceux qui disent qu'on n'a pas à la regarder, regardez, je ne regardais pas. Ça fait tellement du sens, mon affaire, oui. Hey, c'est-tu le fun pour avoir utilisé des flash boom? Flash boom, flash boom. Ok, ça marche vraiment pas avec le flash boom. Pour faire le Sonic Boom. Matika! Fait que c'est ça, le lien. Puis si vous voulez joindre, ben, il faut avoir Steam pour joindre le groupe. Mais c'est ça, là, je vais continuer. Qu'est-ce que j'allais dire? Parce que là, je suis en train de continuer une autre chose que j'avais pas fini. Puis là, je l'ai fini. Fait que là, je continue l'autre chose que j'ai pas fini. Si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire, ben tant mieux pour vous autres parce que moi, je comprends pas. Fuck you. Dans le fond, c'est juste une discussion que j'ai commencé pour dire qui veut m'aider dans Freedom Unite, une fois pour qu'on joue en ligne, tout simplement avec l'émulateur, si on veut, ou qui sait. C'est parce que j'ai plus mon fil USB, fait que je peux plus enregistrer de ma PSP, fait que j'aimerais bien ça. Ah non. Ah non, pas les slow-mo qui sont de retour. Ça allait si bien toute la journée, pourquoi faut-il que tu ailles les slow-mo maintenant? Imagine que je vais le faire en deux parties, I guess. Je me complique la vie cette fois-ci, mais coudonc, c'est parce que j'ai de l'éditage à faire anyway. Fait que c'est compliqué. C'est toujours compliqué les choses, non? N'est-ce pas? N'est-ce pas, monde? Des fois, on peut avoir des conflits avec d'autres personnes, mais à un moment donné, ben, il faut passer à travers ça, puis se dire, ben, coudonc, je m'en sac. Parce que c'est les mots magiques. Coudonc, je m'en sac. Faut se le dire assez fréquemment. Hey, je l'ai tellement pas frappé souvent, là, cette bitch-là. Mon dieu, c'est pas grave. Mais coudon, c'est pas grave. Et Maya, je pense que t'es une personne qui a changé de nom, toi, parce que je t'avais pas sur Steam avant. Puis je m'avais pas avoir accepté ta demande d'amis, mon cher. Moi, au moins, vous voyez pas de qui je parle. Moi non plus, je vois pas de qui je parle, parce que je l'ai jamais vu son nom, fait que là, elle va changer. Hey, déjà en train de bugger de même. Savez-vous quoi? C'est parce que c'est Steam. À chaque fois que ça fait un slow-mo, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est en bas en train de marquer quelque chose. Fait que, gros, ce schnappity-schnappity-schnappity-schnappity-schnapp, ça prend genre un gros 10 secondes à revenir ou quelque chose dans le genre. Je vais sauter en Superman! Fait que, ouais. Au moins que j'arrête et je recommence, ben ça marche très bien. C'est pas comme si c'était compliqué à faire. En fait, c'est très compliqué à faire. Arrêtez d'apparaître sur Steam, s'il vous plaît, parce que vous allez faire planter mon enregistrement, ça vient là. Pourtant, avant, ça me le faisait pas. C'était loin de me le faire même. Ah, il m'énerve tellement, il est dans les heures de même, le bitch. Là, il va descendre, puis il va se mettre à courir partout, sauf si je l'empêche de le faire. Sauf que je l'empêcherai pas, j'ai pas une bonne arme. Ben, enfin, correct, là. C'est juste qu'on est rendu loin pas mal pour qu'est-ce que j'ai. Je pourrais tellement l'augmenter à bord de ça, je pense. C'est genre une de vélo cyprès, j'ose croire, d'après les skins. Et ça plante aux 5 secondes, god damn it, c'est quoi le fucking problème de mod? Il faut que je revienne, encore une fois. On sait tous très bien c'est quoi le problème, mais on va essayer de dealer avec. J'ai comme essayé de faire des choses, sauf que quand j'essaie de faire des choses, généralement, ça marche pas. Ça fait juste me faire une grosse slap d'en face, faire « Nope! » La vie, des fois, est méchante avec nous autres. Elle nous fait comme des sourires, tu sais. C'est comme... Comment dire? C'est comme une prostituée dans un coin qui te fait des beaux conneils. Dans le fond, tout ce qu'elle veut, c'est ton argent. La vie, tout ce qu'elle veut, c'est tes larmes. C'est la même chose. Sauf qu'avec une prostituée, tu payes avec de l'argent. Et la vie, tu payes avec des larmes. Peut-être que tu vas payer avec des larmes aussi, la prostituée. Tout dépendant de quel genre de prostituée tu vas voir. Si c'est une prostituée émotive, eh bien, ok, qu'est-ce que je dis là? Je sais pas.
Comme d'habitude. Je suis en train de dire n'importe quoi. Je suis en train de comparer les prostituées à la vie. Parce que les prostituées, c'est la vie. Là, ça peut tellement sonner crash mon affaire. Mais déjà qu'on parle de prostituées, qu'est-ce que je dis là? Je ne sais pas. Bon, mais c'est un bon temps pour envoyer chez les Yopré. Fuck you, Yopré, vous êtes une gang de pervers. Parce que c'est vrai que je suis une potato. Et les potatoes, on sait tous qu'ils ont... Ils ont des courbes. Des très belles courbes. Excuse-moi, Gypsera, si je te dérange. Je veux juste prendre ton shiny. Justement, on parlait de payer en larmes tantôt. Le... Ah, maudit, ça veut-tu dire que je suis une prostituée? Non, non, ça veut juste dire que le Gypseros est la vie. Et que je m'en vais pas partout en bonne place. Mais c'est pas grave. Vraiment que le Gypseros commence à genre pleurer de même. C'est-à-dire à faire un semblant qu'il est mort. Mais c'est parce qu'il est proche d'être mort. Fait que là, il est comme, oh, je vais faire un semblant d'être mort. Tu sais, la logique des insectes, c'est environ ça. Ou les animaux qui font ça. Genre, oups, je suis mort. Mais disons que si la... La chose qui t'a attaqué voulait te manger, te tuer pour te manger. Faire comme si t'étais mort, c'est peut-être pas la bonne solution, non? Et moi, je veux dépecer le monstre. À moins que c'est pour une attaque surprise, par contre. Là, c'est très intelligent. Genre, surprise attack. Bitch! Tu sais, tu vois... Imaginez un chat là, qui fait semblant de mourir. Là. Puis là, qui a... Parce que les chats, c'est diabolique. Puis c'est sûr que c'est eux qui pensent à ces plans-là diaboliques. C'est sûr. C'est obligé. Allez donc chier, Konga, je vous aime pas. Fait qu'imaginez le chat, là. T'essayes de le nourrir avec de la bouffe. Puis là, il aime pas sa bouffe. Parce que les chats, c'est de la bitch. Il aime ça bitcher. Fait que c'est sûr qu'ils vont dire... Non, je ne veux pas cette bouffe-là, gros bitch! Fait que là, il fait semblant d'être mort, comme s'il était mort de faim. Puis là, t'approches pour aller voir s'il va bien, tu sais, parce que toi, t'es bien intentionné. Puis là, le chat, il ouvre ses yeux quand t'es pour le prendre. Il sort son couteau pis te le plante dans la gorge. C'est exactement ça leur plan. Matika. Fait que ça serait un bon plan dans ce cas-là. Mais je penserais pas qu'on veuille ça, non? On veut ça, non? My god, que ça fait mal quand il rentre en mode rage, cette bitch-là de merde. Pourquoi ça veut pas faire mes attaques de merde? Non! Maudit gros bitch de Gypseros! Ok, bon ben je vais me guérir parce que c'est pas très bien parti pour moi vu que je perds de la vie comme ça pas de passe. En passant, j'ai changé d'armure pour une armure moins puissante. C'est-à-dire qu'il y a le moins de défense que l'autre, fait que je perds plus de vie qu'avant. Et le Chipsa, c'est tellement de la... Comment dire... De la grosse schnapps. Je vais me faire massacrer. Ou pas, il a décidé de m'épargner. Ah, c'est dur venger une mini guisoire en tout cas. Oh god, oh god. Ok, thank you, je m'en fous si tu me pognes. Non, hey, il est bien généreux avec moi, il fait juste semblant. Il est comme, je vais te frapper, je vais te frapper. Nope, ah, puis il retourne là-bas, puis là, il revient. Je vais te frapper, je vais te frapper, je vais te frapper. Ou non, je m'en vais. Ah, non, non, je reviens. Oh, je le frappe. Ah, gros bitch. C'est tellement ça la personnalité d'un gypseros de marde. Bon, les gars, on va bien finir par arriver à. Oh non. Le slow-mo était en train de revenir, je pensais l'avoir réglé. Non, mais je pense que je l'ai réglé en fait. Bon, ben maintenant que je sais comment le régler. Eh bien, j'imagine qu'on n'aura plus de problème de slow-mo. Ou peut-être qu'on va en avoir. Pendant un instant, je pensais que c'était marqué poche de poisson. Là, j'étais comme, what the fuck? Peau élastique. Fait que c'est ça le rubber, en passant. C'est de l'élastique. J'étais habitué de le dire en anglais. Excusez-moi, mes chers. Bon, enfin bref, cette vidéo vous a été apportée par le groupe... Le bar de Malkai. La dernière fois, c'était un bar. Parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, le bar de Malkai. Et, coudonc, joignez si vous voulez. Joignez si vous voulez pas. Non, c'est une joke. Mais, joignez pas si vous voulez pas, dans le fond. Puis, même si vous joignez, vous avez aucun... vous êtes pas obligé, genre, d'être... impliqué, si on veut. C'est pas comme si... c'est moi qui m'en occupe, c'est pas vous autres, dans le fond, qu'est-ce que je veux dire? Mais c'est le fun quand le monde participe, oui, mais si vous joignez, vous êtes pas obligé, vous pouvez arriver, puis genre, juste regarder qu'est-ce qui est écrit, puis se dire, bon, peut-être qu'à un moment donné, je vais les joindre, fait pourquoi pas? Puis il y a d'autres personnes, ben, qui vont participer, puis vous, dans le fond, vous avez rien, vous devez rien à ce groupe. Ce n'est qu'un groupe, dans le fond, pour s'organiser les choses avec moi, mais pas nécessairement avec moi, si ça fait du sens. Ça en fait, j'ose croire. Je continue de parler du groupe, oui. Parce que c'est supposément ça. Supposément ça. Merci Prune de m'avoir... Prune me donne de l'herbe à sommeil. Est-ce que ce serait un de ces fantasmes genre que je le drogue pour l'agresser d'ennui?
Tu sais, moi, les messages subtils, j'y comprends, tu sais. Ok, peut-être pas. On va s'en aller maintenant. Je pense que ça va être tout pour cette vidéo-là. Déjà que j'ai trop dit de conneries, déjà. Je penserais bien. Fait que la patate a gagné. Oh, 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 oh! Vous voyez qu'est-ce que je parlais? Tantôt, les larmes, ça équivaut à 500$. Fait qu'imagine quand que la vie, elle te fait pleurer, là. Elle en gagne-tu de l'argent un peu? Puis je comprends pourquoi les prostituées devraient demander des larmes. Hey, ça vaut 500 une larme. My God, je vais aller faire pleurer du monde tout de suite. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas une bonne idée de faire pleurer du monde. Ça devrait être vous qui payez les 500 z. Parce que vous faites pleurer quelqu'un. Hein? Ok, je vais arrêter ça tout de suite. Je me fais peur moi-même. Je pleure, je pleure. Oui, il a une grosse queue. Il a une queue de 1013 cm. Ah non, c'est pas sa queue. Hey, regardez-moi sa queue sur l'image. J'avais jamais remarqué auparavant. Mais t'as juste à rajouter deux boules en bas, puis ça fait pas mal un pénis. Je peux plus jamais pas revoir ça. Pour me dire, on dirait qu'il essaye de sucer lui-même. Ah! Ça va garder Bibaye!